C'est le bordel sur la roquette ce matin? Ah oui, c'est du pont d'Arpin jusqu'à la bifurcation 62, c'est la merde. Ok, les bandes 73-51 de Dandy 33, là, actuellement sur les quais de Bordeaux. Ah ben, les 73, Dandy, c'est monsieur Christophe. Ok Christophe, les 73-51, la station aussi derrière, j'ai entendu de Dandy 33. Ouais, je suis là, en plein là sur les quais, là. J'ai passé la nuit là. Ouais, Kéké, t'es où sur les quais là? T'es au niveau du chantier du pont là? Non, je suis entre le pont de Pierre et la place de la Bourse. Ah, ok. Bon, bah, on est pas loin, moi là j'ai pris en bas du pont d'Arpin, j'ai pris direction la traîne. Ah oui, d'accord, ok. Bah ouais, je vais à notre deuxième dépôt, là, à notre autre dépôt, là, je vais vider les palettes et puis après je repars sur Langon. Eh ben, en tout cas, moi, il me tarde de débaucher. Hein. Là, je termine à 8h30 et il me tarde d'aller au 144. Ah ouais, bah moi, j'ai commencé à 5h, là, tu vois, je vide ça, je remonte à Langon, je fais changeur-manche, je reviens à vider à Bègle, là, je suis Veolia, et de Bègle, Bassins pour recharger, direction Entraigues, 84. Ah bah ça va, tu vas être baladé, quoi. Là, on n'arrête pas de courir, il y a de moins de monde, il y a de plus en plus de boulot. On court, mais je sais pas si ça va durer longtemps l'histoire. Bon, ce temps-là, ça occupe. Mais oui, ça va s'améliorer. Là, on est dans le bon sens. Bah écoute, j'espère, parce que nous, le problème, c'est que les mecs se barrent et puis il y a de moins en moins de chauffeurs. Ok, donc s'il y a moins en moins de chauffeurs, c'est que ça fait plus de boulot pour les autres. Oui, mais c'est un plus de boulot pour les autres, mais le problème c'est que ce qui reste, il faut qu'on fasse le boulot des chauffeurs qui sont partis. Ouais, mais bon, ça se paye ça, parce que forcément, ça fait faire des heures sup. Ah, tu m'as vu venir. Ouais, non, mais disons que c'est pareil, dans le boulot où je suis, c'est un petit peu particulier aussi. Hein. C'est, on va faire des heures, ceci, cela. Alors, les heures sup sont payées, mais après, sur l'année, il y a un volume horaire à ne pas dépasser. Donc, je vois là, il y a 2 mois de ça, oui, je crois. Oui, c'est ça, oui. Je me suis retrouvé pendant 10 jours, oui, facile, sans bosser. Hein. 10 jours, presque 10 jours sans bosser, quoi. Ah ouais, tandis que nous, c'est au forfait 240 par mois. Et après, ben, le reste, ben, c'est récup. Enfin, quand tu peux. Voilà. Et puis, là, ça fait 3 week-ends que j'entre le samedi, plus... le jeudi de l'ascension que j'ai bloqué sur la route. 204 heures, putain, j'aimerais bien, moi. Parce que je suis à 150 heures. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, dans le transport, c'est ça. C'est contrat 186 ou 204. C'est contrat 204, mais voilà, quoi. Quand tu regardes par rapport à un salaire de base, ouais, c'est vrai qu'après, bon, c'est tout ce qui est prime et tout ça là qui tombe. C'est beaucoup ça. Les primes, nous, on n'en a pas tellement. Là. Pour autant dire un peu plus, je suis à quelques centimes au-dessus du SMIC, hein, c'est tout. Hein. Mais vraiment quelques centimes au-dessus, il n'y a pas plus. Hein. Et les primes de nuit, tout ça, c'est pas grand-chose non plus. Hein. Fait 1008, 1009, c'est le grand max, hein, à partir du lundi au vendredi.
ok. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler derrière. Et lui, il a droit à que dalle. Voilà, je t'ai perdu là pour le coup. Ouais, il y a quelqu'un là avec. J'ai un QRM de 5 permanents là ici. Là, j'ai pas reconnu. Et il m'a semblé que, vu l'intonation de la voix, il m'a semblé que c'était Gilles. Vega 33, si je me trompe pas. C'est bien ça? Putain, la vache, c'est vraiment compliqué ici. Je suis en train de regarder. Ah oui, d'accord, ok. Si j'arrive à voir encore, malgré qu'il fasse jour, je vois les lampadaires là, leur foutu truc à LED là qui sont encore allumés. Quoi. Voilà l'autre. Il y en a une qui t'a castré cette nuit pour vu la voix que t'as. Ah, si. Attends, je vais lui dire, il va être content. Quoi. En plus, à côté de ça, il est un peu chanteur sur les bords. Lui dire qu'il n'a pas de voix, il va être heureux. Quoi. Gilles, t'as pas de voix, il te fait dire le mille-pattes Christophe. Oui, c'est ça, oui. Il te fait dire que t'as pas de voix. Quoi. Il entend tes bips, mais c'est tout. Quoi. Oui, là, je t'entends, oui. Là, je t'entends un petit peu mieux que juste le coup d'avant. Ah ben là, c'est reparti un peu. Ouais, je suis en train de faire une petite vidéo, tu pourras voir ce que ça donne. C'est... Ben, de toute façon, là, faut tenir compte du QRM que j'ai aussi. Hein. J'aurais pas de QRM que tu passerais très bien. Ok, c'est la Santé Route 7 de mon côté, les bus 73, à tout à l'heure, sinon bonne journée, à plus tard. Ouais Gilles? Ah moi je suis roi carotte, moi. Ah ça passe un peu mieux, oui. T'es au QRA ou sur la route? T'es au boulot, hein? Pratiquement, oui. Ah, d'accord. Là, ouais, ça passe mieux, oui, puisque là, t'as dit pratiquement, oui. Donc, j'ai bien entendu. Ah, mais je sais pas. Putain, hey, par contre, t'as vu, hein, avec tous les râleurs là, qu'il y a sur Facebook, là, pour le coup, ils ont fait fuir la propague. Elle a capitulé, la propague. C'est... Elle est dégoûtée, la propague, de voir tous ces râleurs, là, sur Facebook. Pour le coup, on n'y a pas droit, ce matin. Moi, je suis bien content, parce que hier matin, je me suis fait traiter le fils de pute par un mec qui habite à 900 km. Merci, la propague. Ah, excellent! Et comment il le sait? Il te connaît bien, quoi, il connaît... Ah, je déconne, je plaisante. Ça, c'est la... Attends, je suis en train d'écouter le bruit du moteur. Non, c'est bon. Ça, c'est la réaction typique de gens qui sont jaloux, quoi. Voilà, on arrive plein pot. Pourquoi on arrive plein pot? Parce que, il se fait qu'il a fallu que la propague soit de ce côté-ci, puis voilà, quoi. Et c'est comme là je suis à quoi, là? Je suis à... Allez, on va dire à 4 mètres de la flotte. Et encore, juste la largeur du ponton, on va dire, enfin du ponton, du rebord, je veux dire. Ouais, je suis peut-être à 3 mètres de l'eau, là même. Et autant dire que là, ça peut passer. Oui, là, il n'y a pas de souci, là. Ah, hein? Ah, ouais, d'accord. Hein. Non, mais là, c'est... Non, mais c'est pas grave, ça. C'est...
il suit, s'il n'est pas content et qu'il est en mobile, et bien, il se déplace et puis il tombera sur un endroit où ça passera beaucoup mieux. Et puis voilà, quoi. Ce qui est marrant, c'est que on a eu le de la c'est OK, c'est bon, ça. Mais là, hier, là, sur le retour au QRA, j'ai eu quelques stations aussi, hein, tout le nord de France, hein, tous ces côtés-là, la Bretagne, Normandie, l'Alsace, je crois, je sais plus. J'ai pas fait de vidéo hier, je me suis dit, là, ça, j'avais pas envie. Et il y avait tous ces coins-là qui passaient, quoi. J'espérais que ce matin, ça soit pareil, mais j'ai pas la chance avec moi, là, pour le coup. Quoique, d'ici, je débouche dans 1h05. D'ici là, ça a le temps de complètement changer. Ah, tu m'étonnes. Alors, la nuit dernière, ça s'est arrêté, la propague s'est calmée vers les 4h moins le quart, 4h par là, pour reprendre, allez, on va dire, vers les 5h, 5h30, autour de ça, quoi. Et encore, même entre, il y avait toujours les Italiens qui passaient sur le 5 en sup, hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui restait, hein. Là, par contre, durant toute la nuit, depuis la dernière vidéo que j'ai faite hier soir ou tard, ou je sais plus quelle heure, minuit ou 1h du matin, je sais plus, ça a été le calme plat. J'ai pas du tout entendu les Italiens. Ouais, c'est sûr, parce qu'en plus de ça, je vais pas avoir le temps de beaucoup dormir aujourd'hui. Le temps de rentrer, il va être quoi? Allez, il va être 9h30, 10h moins le quart, ouais, dans ces eaux-là. À 13h, je devrais être debout. S'il y a de la propague, ça risque de ramer, hein. Mais en plus de ça, toi, là, je viens de m'attaquer de nuit. Demain, je suis en journée. J'attaque à 7h demain matin, donc autrement dit 5h moins le quart debout, quoi. Waouh! Alors je me demande si ce soir ça vaut le coup que j'aille me coucher. En tout cas, on le fait, dormir c'est une perte de temps, hein. Waouh, là tu commences à arriver sérieusement petit là de mon côté. Enfin petit façon de parler. Je suis en train de te perdre dans les QRM, voilà, c'est plutôt ça. Ouais, je t'ai compris, là, je t'ai sorti quand même. Tu m'as dit à plus tard, bonne journée, et après le reste n'est pas passé. Ok, ça marche. Putain, j'ai répété la même chose aussi, ouais. Il y a des réflexes comme ça. Ok, bonne journée, à plus. Ouais, je sais, la vie est injuste. Je chie trois coups, là, c'est normal. C'est normal, j'ai presque un pied dans la flotte, là. Et elle n'est pas chaude, l'eau. Putain, mais sacrément... Ah oui, putain, j'étais en train de me dire, elle a sacrément monté la flotte. Et c'est qu'en plus de ça, aujourd'hui, il y a une alerte... j'allais dire tsunami, moi, n'importe quoi, moi. Une alerte risque d'inondation. Et c'est vrai que je vois le ponton, là, qui est à côté de moi. Pour le coup, la pente est à l'envers par rapport à ce que c'était tout à l'heure. Donc, ça risque de... ça va encore monter, là, comme c'est là. Oui, non, mais... Et qu'est-ce que je vois? Tiens, un ragondin, là, dans la flotte, là. L'autre, il est en train de barboter dans l'eau, quoi. T'aimes ça, les ragondins, surtout à la broche, c'est ça? Oh putain, j'ai rien compris, hein. Non, là, t'es noyé dans les QRM, hein, désolé.
Je... Attends, j'ai pas compris. Je suis... Tu me demandes si je suis à Bordeaux? Je suis sur les quais entre le pont de Pierre et la place. Zut. Zut, qu'est-ce que j'ai dit à Christophe tout à l'heure? Entre le pont de Pierre et la place. Ah bah zut! Celle où il y a. Je crois qu'il y a des statues en plus au milieu là. Oh, je sais plus le nom. Oui, place de la Bourse, voilà, c'est ça. Ouais, merci. Ouais, c'est ça, entre le pont de Pierre et la place de la Bourse. Ah ouais, je suis là, là, vraiment à, ouais, à 3 mètres de l'eau. Hein. Putain, oui, mais quand je vois la couleur, tu prends un bronzage de suite. Hein. Elle est marron, la flotte. Hein. J'ai pas compris, là, à cause des QRM. Tu dis que tu veux arriver jusqu'ici? Non, à mon avis, j'ai pas compris. Putain la vache, là t'as dû encore t'éloigner un peu plus parce que là t'es noyé dans les QRM, désolé. Ouais, là ok, j'ai réussi à décoder. Tu es arrêté, donc tu dois être arrivé, je pense. Putain, mais achète-toi un Alfa Lima, hein. Prends-toi un B550P, tu verras que là, ça va envoyer du steak, là, pour le coup. Ah, chi. Putain, la vache. Excuse-moi, mais là, j'ai vraiment pas compris. Plus de watts, attends, ouais, mais toi, là, t'as pas plus de watts. Hein. T'es avec les watts habituels, juste le poste, il me semble. J'ai une idée. À chaque passage de micro, dès que je te repasse le micro, je te prête mon Alfa Lima. Et dès que tu me retournes le micro, tu me le retournes avec. Au fait, j'ai pas entendu la belette ce matin. Il doit être encore terré quelque part. Je vais faire un essai. Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. C'est vrai qu'en ce moment il manque d'importance, lui il est en petite station, ce qui est, il a vite fait de plus passer quoi. Ah tiens, hier matin j'ai eu Dolu 33, c'est le l'administrateur là, du web SDR là, de Florac. Hein. Et dans ces heures-ci, non, ou alors non, je devais être en train de débaucher. Ah ben oui, c'est à la débauche. Je commençais à sortir. J'étais sorti là de la zone là où je suis. Je suis en plein sur la zone piétonne. Et j'étais sorti de la zone et tout ça. Et puis d'un seul coup je l'entends et tout ça. Allez hop, on a papoté un moment. Je t'ai entendu parler, mais c'est tout, pas plus. Hein. Ouais, j'ai à peu près compris. Ouais, non, mais t'as raison. Je vais pas te faire répéter sans arrêt. C'est chiant, en force. Les 73-51, toi. Bonne journée. À plus tard. Attention, senteur pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, la belette pour Dandy 33 qui t'appelle.
vous avez vu, là, je viens de passer sur les différents canaux. On n'a entendu personne. Mais on n'a entendu personne à la seconde où je suis passé dessus. Et le truc qui se passe... Et le truc qui se passe des fois, c'est que c'est entre deux reprises de micro. Ah, il m'arrive des fois, j'ai passé un premier coup, rien. J'ai passé un deuxième coup, rien. Troisième coup, ah bah tiens, il y a quelqu'un. Ouais, la station, les 2713 51 de Daldi 33 du Piléqué. Je vois que c'est la fête de ton côté. Bon, c'est pas grave, si t'es toujours derrière, bonne journée. Ah, le multibip. Comment, j'ai pas compris. Il y a la propa qui arrive. Ah, ouais, mais j'ai entendu, il y a une autre station qui vient d'arriver, hein, les 73-51 lui, de Dundee 33 depuis les quais. Ben, je crois que j'ai passé la journée là. Et en plus, moi, j'ai le client qui est arrivé ici. Ben. Donc, je ne vais pas tarder à QRT, mais bon, je ne débouche pas avant 8h30. Alors, ça, par contre, bon, c'est comme ça. Il est arrivé trop tôt le client, c'est dommage. C'est du n'importe quoi, il aurait pu rester une heure de plus au lit. Quoi. Bon allez, je vais aller lui dire bonjour et à plus tard. Ça y est, la propaganda. Bon, ça va être encore une bonne journée ça. Attention, Tolu 33 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. J'entends gazouiller dans le lointain, mais ça fait vraiment, vraiment à peine audible. Ouais, les Roger Bip, les 73-51 d'Andy 33 sur les quais de Bordeaux. Attention, Dolu 33 pour d'Andy 33 qui t'appelle.
Qu'est-ce qu'il m'a dit hier? Je sais plus. Ville comme ça entre les bâtiments, c'est pas évident quand on est en mobile. Mais on entend là. Si, si, ça passe quand même, donc en ville, le DX, c'est possible. Oh, faut un peu de bonne volonté, là, c'est vrai. Il y a du QRM quand même. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle. Et il est pas là la baleine ce matin. Faut dire aussi que j'ai un peu noyé là les QRM, là, juste un peu quoi. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dundee 33, depuis le pont Le Vent, le pont François Mitterrand, et bonne journée à tous. Bon, avec le bruit que j'ai là sous le 19 là de mon côté, pour entendre quelque chose, c'est compliqué là. Attention Christophe pour Dundee 33 qui t'appelle. Bon, il y a de la propague aussi là sur le 19. Ça arrive doucement.
CQ-CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Bordeaux. CQ-CQ-CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis Bordeaux, sud-ouest de France. Je crois qu'il y a un QSO là. Un peu loin. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, Bordeaux. Mais ils attrapent pas de distinction de vol là. CQ-CQ-CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, et qui vous propose un QSY sur le 27-535. C'est parti pour moi. CQ-CQ-CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, entre Bordeaux et Libourne. Pas mal de QRM électrique de mon côté. On sent l'Italie ou l'Espagne. C'est pas le français là. Ouais, ils sont du côté de Mérignac. Attention, les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France entre Bordeaux et Libourne. À
c'est pas la même propagande qu'hier, c'est bien dommage. Je m'étais habitué, ouais. Attention, les stations fréquences, Pantin D33 qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France entre Bordeaux et Libourne. Allez, 73-51 la station, mais I know speak, I speak French uniquement, sorry. Supérieur, 5 normal. Ouais, ça ressemble bien. Moi je sais, moi les gens qui circulent, on dirait qu'ils appellent leur chien. Moi. Normal qu'ils aient pas de réponse. Et 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 en mobile depuis Libourne. Et bonne journée à tous! Merci, tous à retourner, je file au 144! Ah, c'était Christophe. Depuis les environs de Bordeaux. Et passez bien encore. Enfin, je dis ça, mais bon. On l'a entendu. Voilà. Thank you.
cher la Propax ce matin. Tiens, camping-car avec la Sibi. C'était une antenne marine qu'il avait sur le côté. Et je suis à 50. Ah. Il déconne le truc. Hein. J'ai un peu de tout, je connais pas ça. C'est comme Luciano lassù, dai, comme Luciano. Ah, c'est pas français.